Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé aujourd'hui pour la première fois, mais bon, ce n'est pas grave. C'est la preuve que il y a des personnes qui préfèrent dormir. C'est vrai que le matin, on dort, mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui se réveillent le matin pour aller bosser, et il y en a d'autres qui préfèrent dormir. Donc, voilà. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, je devais faire une petite prestation. C'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas pu faire la vidéo tellement qu'il faisait caille-caille. Donc, il faisait hyper froid. Mais j'ai fait quand même mes protectus, je les ai quand même donnés. Voilà. Donc, oui. Donc, tout simplement, il y a un monsieur qui est en train de gueuler par-dessus sa fenêtre, en disant « Ouais, blablabla ». Moi, je m'en fichais parce que mon travail, c'est de faire de la prestation gratuite pour que les gens me puissent connaître professionnellement. Et voilà. Donc, voilà, cette personne-là, elle ne sait pas que quand on est professionnel, on est obligé. Suite, j'ai eu un petit contrôle aujourd'hui. Voilà, j'ai eu un petit contrôle. Et ce petit contrôle est un contrôle des matricules. Donc, il veut dire, en tant que professionnel, donc ils ont demandé pour le matériel s'il était légal ou non légal. Bien sûr, je l'ai bien confirmé, j'ai bien fait montrer mes papiers, tout. Et je n'ai eu aucun souci. Voilà. Donc, j'ai fait bien montrer que j'avais mon récépissé, mon autorisation, et blablabla, et blablabla. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit dans la dernière vidéo, dans la vidéo pour la vidéo des documents. Voilà. Voilà pourquoi on se fait contrôler et pourquoi on est obligé de se faire avoir tous ces documents. Donc voilà. Donc j'ai fait présenter mes trucs. Et bien sûr, je lui ai donné aussi un protectus, donc qui a été fait correctement. Voilà. Donc comme il faisait froid, bien sûr, les protectus sont tous partis. Je vous signale aujourd'hui que les protectus sont tous partis. Comme je vous avais dit, comme je vous en avais dit certains qui étaient dans la, j'ai donné au magasin. Ce soir, tout à l'heure, je risque de faire la même chose. Donc, je vais en déplacer aussi. Bien sûr, il n'y aura pas de prestation cette fois-ci. Je vais juste à démettre dans les magasins et dans les trucs. Bon, bref, dans les certains magasins. Je n'ai pas allé dans les magasins où c'est reculé, hein, comme on dit. Vous savez, les magasins qui sont à Buchelet, vachement bien cachés. Là, c'est autre chose. Mais bon, ce n'est pas par là qu'il y a plus de monde, qui veut dire qu'il y a plus de monde. Dans la ville, il y en a beaucoup plus. Voilà. Ce n'est pas un coup de gueule, c'est pour dire que voilà, il y a de la fainéantise dans l'air. Voilà. Bon. Et voilà, écoutez, je vous remercie et désolé pour la vidéo que je n'ai pas pu la mettre. Je peux vous garantir qu'il faisait extrêmement froid dehors. Donc, il faisait quand même 0 degré avec un beau soleil, mais 0 degré. Et bien sûr, moi ça ne me dérange pas, mais c'est pas ça, c'est que vous savez, quand vous tenez un micro et faire blablabla dans un froid total. Alors aujourd'hui, j'ai eu quand même un peu de monde, mais il faudra que je me mette vraiment dans les endroits où on me voit facilement. Voilà. Et comme j'étais à Saint-Matloux, donc j'étais à l'église de Saint-Matloux, qui a été, pour ceux qui connaissent bien Mantes-la-Jolie, l'église qui a été bombardée. Qui a été bombardée. Et donc moi, j'étais quasiment devant. Voilà. Donc, c'est une petite, bien sûr, au blocage fermé, la route était fermée. Donc, c'est pour ça, moi, j'étais à l'entrée du marché. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous et bye bye.